Alors, un des défis que je veux relever avant de mourir, c'est de former d'autres disciples, toujours former des disciples et des leaders. Ça parce que un leader va pouvoir se reproduire. C'est 2 Timothée chapitre 2 verset 2 de Timothée 2:2 qui nous dit ce que tu as entendu moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et j'ai à côté de moi un fidèle homme de Dieu à qui j'ai transmis la parole depuis quelques années, et aujourd'hui c'est un jeune qui est totalement investi dans le groupe de jeunes. Il est investi dans le groupe de louanges, il prêche. Et donc c'est vraiment ça, c'est ma plus grande joie à moi, c'est de pouvoir faire des disciples qui font d'autres disciples. Donc à toi de parler maintenant disciples. Non, là, ce que j'ai beaucoup appris avec Franck, c'est que ce qu'on apprend c'est super et on peut le mettre en pratique dans nos vies. Mais ça ne s'arrête pas là, on a aussi la responsabilité de le transmettre à d'autres, d'apprendre ce qu'on a appris, nos expériences. Et c'est ce que j'essaie de faire, et je pense que c'est ce que Jésus faisait aussi avec ses disciples.